Bonjour YouTube, c'est le Steam Neo Fest et on teste des démos. Première démo qu'on teste aujourd'hui, hein, c'est Cat God Ranch. Voilà, c'est un ranch avec des chats. On est un... Vas-y, on teste. Je sais pas ce que c'est. Tutorial, Cat God, c'est lui. On peut le changer. Passive. Ah, il y a plusieurs chats, ok. On peut avoir 5 chats. Qu'est-ce que c'est? Isn't it enough that I teach you how to make money? Ce n'est pas suffisant que je t'ai appris comment faire de l'argent et survivre. Moi, c'en est que tu l'as dispo. Oh, il y a des... ouais. Il n'y en a que 3 de dispo. En fait, ok, il peut y avoir des talents, mais on les a pas là. Il y a beaucoup de trucs, hein. Je sais pas trop ce que c'est comme jeu, je me souviens plus. Je l'ai installé, j'ai dit vas-y, il me tente ce jeu. Et oh putain, il y a des animaux. Ouais, ok. On va voir. Rank. Ils sont chauds. Hein. Ok, le but c'est de faire de l'argent. Tutoriel. Bon, je pense qu'il faut cliquer là. Tutoriel. Et on peut pas faire ça. Tutoriel. Ok, bon bah on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Alors. Hey, nouvel administrateur. Je suis Jet. Bien sûr, je travaille chez le dieu des Charunch. Non, c'est pas facile, hein. Yahoo. Alors ici, tous les jours, voilà, les différents animaux font la queue pour aller blesser le dieu des chats. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas blessé du tout. Je l'ai... Je quitte... Je te quitte pour t'aider... Non. I leave it to you. Je te les laisse aider... me screen them in the future. Je sais déjà screen them. Screen, c'est écran, mais là, je vois pas. Mec sûr. Sois sûr hein, de prévoir les offrandes à temps ou tu seras viré. tu dois manager les animaux stratégiquement pour gagner de l'argent, pour les offrir au dieu des chats. La mise initiale est de 20 pièces en 5 jours. Ok. Depuis que tu es nouvel administrateur, je te montre, je suis le professeur Jet. Je vais te guider. Ma soeur. Demi-stage objectif. Dans chaque stage, chaque niveau, tu dois obtenir des pièces entre le nombre spécifié de jours pour compléter l'offrande. C'est écrit ici, on doit faire 20 pièces. Passer tous les niveaux en complétant les défis. Voilà, en nombre de stages. Ok. Alors, partie 1 sur 3, super. Le nombre de pièces obtenues chaque jour est déterminé par la somme... de contribution de tous les animaux dans l'espace, ok? Ils vont apparaître de manière random dans des places, ok? Regarde, clique sur l'animal pour avoir des informations. Quand une poule est adjacente, il y a 50% de chance d'avoir un chick. Le nombre de pièces que chaque animal reçoit est composé de basiques, contributions et abilities. Ok? Donc, il nous offre une pièce par jour. Et quand il y a un rooster adjacent, je sais pas ce que c'est rooster du coup. Il a 50% de faire un chick. Ah, je suppose que tu fais un chicken si t'as une poule et un coq. Ça doit être ça. En anglais, c'est pas évident, du coup. Ok. Donc, ils peuvent se reproduire. Très bien. Entering a new day. Voilà. Et c'est là que tu peux finir le jour pour gagner des pièces. Ok. Click highlight. Ok. Comment ça, ma poule est morte? Fox, prey on one chick. Success plus 5. Il l'a mangé ! Mais il gagne 5 pièces quand il fait ça. C'est fort. Il y a 50% de chance de tourner en un cochon domestique. Ouh, c'est compliqué en anglais. Hein. Ça a l'air bien par contre, mais c'est en anglais. C'est tout pour les connaissances basiques. Maintenant, essaie de passer le test. Il gagne 12. Pourquoi ça brille? Oh, c'est la merde là, il va le bouffer, non? Ok. Ah, ça apparaît auto. Okay. Aléatoirement? On peut pas les déplacer? On peut roll, ok. Et du coup, j'ai perdu ma. Attends. Ah, rooster ça.
Ok. Vas-y, on prend le mouton. Mais le mouton, est-ce qu'il peut survivre? Parce que lui, voilà, prey, c'est quand il les mange, il peut manger soit la brebis, soit le mouton, soit l'agneau. Ok. Quand il les mange, il rajoute un lambeau. Ah, oh, c'est marrant ça. Il me faudrait un goat. Le goat, c'est le goat. Et du coup, ils ont des effets, mais du coup, je peux les. Ah, je peux les supprimer s'ils me dérangent. Ça me coûte un de bouffe. Ok. Je peux faire autre chose? Churotial. Il va le manger. 5 pièces. Ok, j'ai gagné 12. Après, ça me rapporte d'avoir des moutons en vrai. Moi, je vais faire des moutons. Hein. S'il me bouffe les moutons, moi, c'est rentable. Hein. Il me reste combien de jours? Day 5. Mais il me les bouffe à chaque fois, non? Je suis refait s'il me bouffe à chaque fois. Je vois le nombre de jours qui reste. Hey. Ok, j'ai 20. Deuxième stage, il faut que j'arrive à 50. En 5 jours, j'ai le droit à 5 de bouffe. Ok, il faut l'utiliser les bouffes, hein. Pour sauver des coups. Ok, ok. Ok, tous les 5, je reçois un. Ah, et c'est ok, c'est comme dans Balatro. Tous les 5, t'as un de plus. Ouais, super. On parle de zibger dans le shop. Oh, oh oui. À la fin de chaque stage, j'utilise la bouffe pour acheter les items dans le shop. Piggy Bank. Plus 1 chaque jour et immédiatement plus 15 quand il est supprimé. Pour chaque animal ajouté, plus 2. Gold Shurker. Ok. Ça ne m'intéresse pas trop, ça. When Prey. Bon, tu manges un... remanger près d'un animal. Waouh, c'est compliqué, ça. Et ça, c'est lock? Pourquoi c'est lock? Ah, tu peux lock le shop, ok. En fait, j'ai pas... Ok, là, ça, c'est une tile. Ça peut sauver des animaux. Il mange les autres animaux. C'est horrible. Vas-y, je prends ça. Ça a l'air sympa. Ah, quelle est lui, là. Tu peux voir où... supprimer les animaux existants, ici. Ok. Donc là, j'ai mes animaux qui ont chacun leurs effets. Ok, ça, on les voit sur le terrain. Donc là, il faut que je donne de quoi nourrir mon... Oh, il peut être un alpaga, c'est. Grow into water buffalo. Ok, il grandit. When there is a change to empty tile, plus 2. Il a connu du casse vide. Plus 2. Il rapporte plus 1 par tour, je vais prendre ça. Oula, plus 2. Lui, il est heureux apparemment. Ah oui, je l'ai vendu au bout de 5 jours, c'est vrai. Quand il est mangé, plus 5. On en a mangé. On peut pas les déplacer? Alors j'ai pas compris. Ok. D'accord. Moins de 2 quand il est adjacent. Ok, c'est chiant. On va prendre le chick. Au pire, il sera bouffé, lui. J'ai plus beaucoup de jours, là. Oh. Alors, attends. Pour chaque pigeon adjacent, plus 2. Oh, c'est fort, les pigeons. Moi, je veux des pigeons. Joueur pigeon. Attends, j'ai plus le temps, là. Attends. Ça pue? Vous avez échoué, vous êtes viré. Mais attends, skip le tuto. Je peux pas appuyer. J'ai perdu le tuto. J'ai perdu le tuto. Random place. Tu as vu animal information, ok. Ça, on connaît.
Ok, on peut vraiment pas les bouger, c'est vraiment juste random, pièce, basta. Là, c'est le nombre de jours restants, ici. Ok. Jeu des pigeons. Ouais, j'ai un coyote. Ah, c'est bon, on a fait le tuto une fois. Écoute, un, lui, il est chiant. J'ai envie de le supprimer pour faire plus d'argent. Swan, quand il y a... Attends. When there are three or... Quand il y a plus de 3 swans, ou 3, plus 2. Ah, si t'en as beaucoup, ça c'est bien. Hein. Vas-y, je prends ça. Je sais pas ce que je branle. Couche le cochon. Après, il va rapporter des thunes, le cochon. Eagle! Il est rare? Oui. Ça, c'est un jeu de la détente le soir avant de dormir quand t'as envie de te prendre la tête. Il y en a deux. C'est terrible ce qui vient de se passer. Au moins, j'ai des thunes là. Là, j'ai 20 de plus. Ça va être plus facile pour le jour d'après. En fait, faut juste farmer les animaux. On est d'accord. Oui, je veux pas skip. Oh. Ah oui, shop. Ah, c'est dit, il est rare, lui, là. Est-ce qu'on achèterait pas ça? Honest. Ouais. Eagle appétit plus 1. Moi, je nourris mon aigle. Je dois attendre. Je peux pas appuyer. Nul aigle. Il a tout bouffé. Il bouffe tout. Bah oui, du coup. J'ai l'argent déjà, c'est gagné hein. Hop, Turkey, il va le manger ça. C'est bien. Il bouffe. Ah, il bouffe pas. Ça, c'est gagné hein. Vas-y hein, pour ça il va être bouffé par le loup. Moi je l'ai fait manger hein. Moi je suis un joueur de mange. Ah mais s'il mange pas aussi on verra bien. Allez. Ouais, moi je suis un joueur pigeon aussi. Je sais pas ce qu'est le meilleur setup. Ouais paye. J'ai passé le test. Ok. Il y a un niveau. On a débloqué le niveau 1. Passive. At the start of the game, there are two extra normal. Ouais super. C'était le tuto. Il y a plusieurs difficultés les gars. Il y a plusieurs difficultés. Oh là là. The weather is good. Le météo est bon today. Ah quel beau jour. Parfait pour faire des process. Ouais. Aujourd'hui le ranch n'a pas été affecté par aucune circonstance négative. Pas d'excuses pour ne pas avoir de tribu. On va, il faut gagner 25 en 5 jours. Ok. Donc on a le poulette dans 3 jours. Le sanglier peut grandir en domestique. Déjà qu'on pense de grandir en domestique sur un wild boar. On va pas. Le nombre de wild boar. Ok. Ah, de l'anglais. Non mais... Moins 2 s'il est adjacent à d'autres roosters. Et il peut grandir en rooster. Je vais péter un plomb. Ok, ok. Lui il mange, vas-y mange le loup. Mange le loup. Moi je prends des loups, hein. Je mange full loup. Je suis joueur loup. Le joueur loup. Ah, super l'ambiance. Turkey il va être mangé. Il donne 5 pièces quand il est mangé. Ça se passe bien. Zboom. Bouffe le loup. Il mange rien. Un coyote. Merde. Ok, j'en ai 3. Faut pas que ça dépasse 3. J'ai plus le droit aux mammifères.
tu manges rien en fait, t'as pas faim. Vas-y. On peut rajouter des œufs. Une chance d'avoir des œufs. Le nest. Où c'est le nest? Ok. Water buffalo, je prends, je réfléchis plus. Merde, je fallait pas faire ça, je crois. Et le loup, il mange rien? Il a pas faim? Oh, le eagle, là. Oh, le eagle, il va tout bouffer. Il va tout bouffer, vous êtes pareil. Regardez, le combo. Hein. Le combo, c'est maintenant. Mange. Il mange rien. Mange! Il mange rien. T'es perdu, hein. C'est FF. Oui! Oui! Oh! Incroyable. Bien sûr. Ah oui. Je te fous. Allez, je paye. Vers 100! Attends. Supprime automatiquement après 5 jours. Ajoute un super rare animal, je prends. Quand la hyène est présente, on s'en fout. Je peux manger qu'un par jour, ok. Cave. Oh oui. Plus de chance d'avoir. Plus 2 pour manger. Hop, manger sur ça. Moi, je vous mets à manger. On veut manger, on fait à manger. Regardez. Eh, le coyote, il m'emmerde. Je vais le supprimer. On mange. Tu vois, hop, on supprime. C'est quoi la dernière fois que tu t'es coupé les cheveux? Noël, je dirais. Je pense que c'est Noël. Mais ça se voit, c'est derrière le casque. Ça se voit pas trop. Oh, le triple eagle. Oh bon, on gagne là, c'est free win, non? Vas-y, God, tu veux te faire manger, c'est ton rôle, non? Là, dis-moi, c'est plus qu'un jour. Oh, c'est free. C'est free, c'est free, c'est free. Voilà. Hop. Mais t'as mangé, mais on a rien à manger. Comment ça, 180? There are three or more in the same. Ouais. Pour chaque animal ajouté, plus de. Vas-y. Ça a l'air bien, ça. Ça se voit peut-être pas mal, t'enlèves le casque, on découvre tes princesses réponses. Alors en vrai, pas tant. En vrai. Ça va encore, hein. Non? Ça va encore, non? Je sais pas. Faut faire 180, c'est perdu. Manger! Oh la méta. Ça a l'air exceptionnel, hein. Ça a l'air exceptionnel. Oh, je pense que ça c'est mort. Ouais. Il fait quoi, les? Oh, je sais pas. Les longueurs de franche qui t'obstruent la vie. Une longueur de franche? Comment ça? Mange! Y'a rien à manger en fait. C'est catastrophique, y'a rien à manger. Pigeon! Il survit. Non, il s'est fait manger mais il se transforme. Une hyène! Je prends la hyène. Et j'ai trop de trucs, je comprends rien. Je pense que sur le long terme, je joue mal en fait. Et c'est normal, je découvre le jeu. Je pense qu'il y a des combos. Oh, je peux payer de 3. 280? C'est mort. Eagle appétit. Ouais. Je pense qu'il faut jouer Eagle, mais. Attends. Il est ça. Ok. Donc, ça c'est intéressant.
Est-ce que je vendrais pas des merdes? Genre ça, là, ils ne servent à rien. Les cheveux au-dessus du front, quoi. Oui, une frange. Ah ouais, la frange. Oui, là où il y a le mot sur la oui. Là, je vois plus très bien. Là, ouais. Là, c'est chaud. Mais tranquille. Tranquille, 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 tranquille. Pourquoi ce bruit? Il protège, je vois qu'il protège, moi je veux qu'il me mange. Ouais ouais. Mangez. Mange. Oh la hyène qui a pris 20 là. Instant. Le tigre. Allez mange, mange le tigre, faut qu'on mange. On vous met à manger nous. Ouais, le cochon est mangé, ouais, ouais, ok. C'est pas mal. Ah, toi, tu veux être mangé aussi. Comment est ce petit jeu? Bah, je sais pas, écoute, c'est 4 Gold Ranch. En gros, le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est que tu génères des animaux. Chaque tour, ils se placent à une position aléatoire et ils font leurs effets. Et le but, c'est que tu combattes des effets pour atteindre des objectifs de pièces. Donc, chaque effet va rapporter de l'argent. Lui, par exemple, quand il se fait manger, il t'offre 5 pièces. Et à chaque tour, tu gagnes un temps qu'il a envie. Et du coup, le but c'est de créer des effets, tu peux les faire manger, etc. Pour que ça rapporte assez d'argent. Et chaque fin d'objectif, l'objectif grandit, etc. Là, il me reste 2 jours, et je pense que je meurs. Je pense sincèrement que je meurs. Oh! Je donne de la bouffe à mes animaux. Ok, 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 ok. Ok, la hyène qui bouffe, c'est bien, c'est agréable ça. Y'a un monde où... Les amis, c'était 4 God Ranch. En vrai, c'est, je pense, ça, vous voyez. Oh, le MVP, bien sûr, instantanément. Je pense que ce genre de jeu, c'est un jeu très sympa quand vous voulez pas vous prendre la tête le soir, en détente, tranquille. C'est pas un jeu à tryhard, hein, très honnêtement. Mais c'est un petit jeu détente. Petit jeu détente, c'est sympa. Je me le garde de côté, je pense que je joue à... Si je joue, ce sera pas en... Attends, y a un succès, c'est quoi le succès? C'est écran japonais, je comprends rien. Voilà, c'est un petit jeu détente. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Petit pouce bleu, bien sûr, mon cher YouTube. Voilà. Nous, on va tester d'autres jeux. On a plein de démos à tester là. Ça va être sympa. Des bisous.